Liberté. Vous êtes sur le point de mourir. Ah, merci de l'info. Peut-être un remède, mais je ne vais pas vous mentir. Quoi? Ça va faire mal. Hé, attendez un instant. Ce n'était pas si terrible après tout. Oh, au moins un visage amical. Lana, content de vous voir. Ça vaut aussi pour les doubles que je vois autour de vous. Attendez d'être rétabli et loin d'ici avant de me remercier. Équipez-vous, vite. C'est un modèle de la République. T701, il a accepté de venir à votre secours. Plutôt réduit l'équipage. Oui, c'est le mieux que j'ai pu faire. Il faudra nous en contenter. L'Empire et la République sont tombés aux mains de celui qui vous a emprisonné. Vous êtes notre seul espoir. Bah tiens. Vous êtes notre dernier espoir. Ça me rappelle vachement quelque chose, moi. Bah j'arrive, laisse-moi le temps de grandir à mes esprits. Et d'ailleurs, va le voir, c'est pas pour dire, mais t'es censé le connaître, ce petit droïde, hein. Je veux dire, t'as été là pendant Shadow of Revan. Et tu connais Kelia Gwent, donc tu connais son droïde. Bon, ok, il a peut-être plus les couleurs d'avant, parce qu'il a un petit peu rouillé depuis le temps, hein. 5 ans ont passé, quand même. Mais, voilà, quoi, c'est... Voilà. T'as vraiment pas une bonne mémoire. Comment on fait déjà pour... Ah oui, c'est bon. Comme ça, et on fait ça. Voilà. Allez, hop. Une autre évasion. Valoir, il connaît ça depuis toujours. Hein. C'est un peu son quotidien, on va dire. Se barrer de prison, ça, c'est un peu, disons, son passe-temps... Pas favori, mais disons, le auquel il a le plus souvent été actif. Bon, on tire dans quel sens? Par là? Non! Très bien. Dans l'autre sens, je suppose. Là où il y a les ennemis, évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette prison? Ce n'est pas une prison. C'est ici qu'Arkane a posé ses mains les plus chers. C'est bien. Oui. Alors, faut vous faire du spécial. Écoute, j'ai déjà été enfermé dans la carbonite. Donc voilà, hein, disons que c'est pas tellement... Valentina aussi s'est retrouvée dans la carbonite. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous indiquer la sortie, s'il vous plaît? Oui, je sais que normalement je suis un prisonnier qui est en pleine évasion. Mais... Non, vous voulez pas répondre? Bon. Et vous, seriez-vous où est la sortie? Bon, je m'occupe des droïdes et je reviens à vous, d'accord? Sinon, Lana, t'aurais les plans de l'endroit? Non, parce que pour s'évader, c'est beaucoup mieux. Mais... Je m'occupe de la porte. C'est un expert qui parle, hein. Je connais les trucs des évasions, donc si t'as pas de plan de l'endroit, on risque pas de pouvoir s'en sortir. Non, parce que les évasions est improvisées, c'est pas trop mal, mais tout de même. Où est passé le droïde? Il déclenche de fausses alertes de sécurité dans d'autres secteurs. C'est un astromécano plutôt adroit. Oui, j'écoute. Vous pensez arriver bientôt? Pourquoi ça? Il y a un problème? Non, aucun problème. Mais on commence à se sentir un peu exposé ici. Vous avez trouvé l'étranger? C'est bon, nous sommes en liaison avec lui. Bien, je suis Code Vortena. Bienvenue dans la mission de sauvetage la plus suicidaire de toute l'histoire. J'espère que Lana ne m'a pas menti à votre sujet. Patience, Code. On arrive. Code nous fera sortir de là dès qu'on aura franchi cette porte. D'accord. Enchanté de te connaître, Cote. J'espère qu'on deviendra pote. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'écran s'allume? Qui l'a allumé? Et pourquoi ça regarde exactement la caméra? J'ai déjà vu quelque part. Non. Si, je l'ai déjà vu. Dans un rêve.
Enfin, est-ce que c'était peu... Est-ce qu'on pourrait appeler ça un rêve? Ce serait plutôt un cauchemar. Les intrus ont libéré l'étranger. Les Skytroopers fouillent le bâtiment, mais... Mais continuez. Ne soyez pas timide. Mais les alarmes sonnent dans plusieurs secteurs. Nous n'arrivons pas à les localiser. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Parce que... Ah. Oui, bah forcément. Quand on fait comme ça... Bonjour. Je ne regarde pas tellement parce que j'ai le choix, hein. Tout le monde fait des erreurs. Après, il reste un brin joli. Nous ne sommes pas prêts. Pas pour Véline. Et elle pourrait nous repérer, déjà dans un premier temps. Mais oui, je dis que c'est un joli brin de fille, si on aime les brunes psychopathes. C'est comme si elle avait regardé droit vers nous. Elle vous voit à travers la force. Vous êtes devenu sa proie, et elle ne rate jamais. Non, sympa. Skytrooper, Véline est loin d'être toute seule. J'ai cru comprendre. Mais on vient de... Depuis que je les ai rencontrés, c'est-à-dire dans le vaisseau de Mar, ils n'ont pas tellement été très compliqués à vaincre, donc... Voilà, voilà. Disons que je ne suis pas très inquiet à ce niveau-là. Mais c'est vrai que rester derrière la porte n'est pas tellement une bonne idée, Corsaro, tu devrais peut-être bouger. Oui, alors attention, je vous le dis tout de suite. Je vais alterner entre le nom de Valoir et de Cortaro Drake. Parce que Valoir, c'est le nom de code que Cortaro a pris quand il est entré dans l'armée. Et il a décidé de garder cette identité après. Parce qu'il n'aime pas avoir le nom que lui a donné... Enfin, le nom qu'il porte, Drake, c'est le nom de son père. Et Cortaro, même si c'est le nom que lui a donné sa mère, elle lui rappelle beaucoup trop le fait que c'est un Drake. Quoi. Donc... Le fils d'un chef pirate très maléfique. Donc le fait de porter le nom de Valoir, pour lui, c'était quelque part une façon de dire que c'était quelqu'un de totalement nouveau. Mais maintenant, la version vieille de Cortaro, donc c'est-à-dire de Valoir, assume le fait qu'il est le fils d'un pirate, le fait que voilà, il crée sa propre histoire, même avec le nom des Drake. Donc voilà, donc en gros, il répare le nom des Drake. En quelque sorte, hein. Voilà, voilà. Mais pour dire que, voilà, Cortaro, dans le futur, après donc tous les événements que nous allons suivre ici, il va accepter le passé qu'il a eu, et donc va aller vraiment de l'avant. Surtout avec le fait que... Véline est arrivée. Ça devrait vous aider. Bah écoute, on te dira ça, mais comme je disais... Kyla Hélène, donc la fille adoptive de Valoir, donc de Cortaro Drake, c'est elle qui va l'aider à encore plus à retourner vers la lumière, enfin à se créer sa propre lumière pour devenir la lumière de Kyla Hélène, puisque déjà, il l'a adoptée quand elle n'était qu'une gamine, et il l'a élevée avec Risha, Kavi et Valnatina, donc voilà voilà. Donc, ce faisant, à ce niveau-là, elle, Valoir est vraiment est vraiment le père de Kyla dans la tête de Kyla, hein. Voilà, c'est pas juste une image. Voilà, voilà, c'est le seul père qu'elle a jamais connu. Donc, voilà, voilà. Et Cortaro, donc Valoir, lui, en élevant donc cette jeune fille, il va finir par admettre que il doit cesser d'être dans les ténèbres. Donc ça l'a aidé, ça. Mais le fait qu'avec l'Empereur, etc., vous avez compris qu'il est replongé un peu dans les ténèbres. Mais lorsque sa fille va réapparaître... Donc quand elle va rejoindre l'Alliance avec donc la plupart des gens de la galaxie, eh ben Valoir va retrouver donc sa lumière, va d'abord la rejeter parce qu'elle-même elle a fait des trucs qui est en lien avec le côté obscur, tout ça, etc. Oh, elle aurait pas dû, tout ça, etc. Bon bref, vous avez compris l'idée. Et après Valoir va finir par la réaccepter parce que tout de même c'est sa fille adoptive. Hein, c'est sa fille quoi, pour lui c'est celle qui protégera tout au long de sa vie, donc en gros il l'a puni, puis la punition a été levée, voilà, et il fait tout pour la préparer pour qu'un jour elle puisse... Oui, sort, c'est pas un
impériale. Il a servi dans l'armée des Empereurs. Aujourd'hui, il consacre sa vie à la chute d'Arkane. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'Arkane lui a fait? Demandez-lui vous-même si on sort d'ici en un seul morceau. Donc, comme je disais, Valoir fait tout pour que Tila Hennen puisse avoir la vie qu'elle rêve. Le truc, ce qu'ignore donc notre cher Valoir, parce que c'est le scénario, c'est que lorsqu'il mourra, ce sera Tila Hennen qui reprendra les rênes de l'Alliance et de tout ce qu'a construit Valoir, justement. Merci, T7. Merci beaucoup, T7. C'est... Bon travail, T7. Continue comme ça. Je viens de le dire. Donc, voilà. Donc, Ah, je sais que je me répète avec mes donc, voilà, et tout ça, etc. Mais... excusez-moi si je suis un peu concentré sur ce que je fais. J'essaie de pas dire de conneries non plus. Donc, voilà. Donc, le fait que, en fait, tout ce qu'a bâti Valoir, Tila Hennen va le reprendre. Et tout ce qu'a bâti Valoir est basé sur ce qu'a construit Kibo, Kelia Gwent, Valnatina, Alandros, Eraxia, même Kundaran a sa part de responsabilité dans toute la construction que va être la vie de Valoir après Ziost. Donc voilà, c'est véritablement tous les héros du passé ont permis la construction du présent actuel de Valoir qui est ici. Et plus tard, ça deviendra le présent de Tila Hennen. Donc tout ce que Valoir va construire va devenir le présent de Tila et qu'elle va donc reprendre et construire ensuite à son tour. Voilà, c'est une histoire d'héritage, quoi. Comme dans tous les Star Wars. Ça a toujours été comme ça, Star Wars. Ça a toujours été des histoires de famille, tout ça, etc. Mais moi, j'ai construit un truc qui fait que cet héritage n'est pas totalement familial, parce que tous les héros n'ont pas des liens de famille, hein, comme vous l'avez bien compris, je l'espère. Hein, tous les anciens héros, ils étaient tous chacun dans leur coin, dans leur secteur, tout ça, etc. Mais tout de même, il y a un côté famille, avec par exemple, justement, Cortar O'Drake, qui a été adopté par un contrebandier, qui l'a tué son père adoptif, qui l'a vu sa sœur mourir, qui l'a adopté une jeune fille, qu'il s'est marié, que cette jeune fille va finir par reprendre tout ce qu'il a construit, donc voilà. Et sa fille va donner tout ce qu'il a construit à son petit-fils biologique, puisque évidemment, Valoir a eu des enfants entre-temps. C'est juste qu'on les voit pas à la caméra, c'est tout. Mais voilà, Valoir a bien des enfants, et l'un de ses enfants va donner naissance à Valoir Junior, donc le petit-fils de notre héros. Que se passe-t-il ? Je ne peux plus gérer. Il va falloir changer de point de rendez-vous. On n'a pas le temps pour ça. Bon, si je me pose maintenant, je serai réduit en morceaux. Voyez ça comme une faveur personnage, d'accord? Passez derrière une autre tour et je vous trouverai. Ouais, d'accord. Ça sent le plan bancal quand même. Et aussi, il faut savoir que Valoir Junior est quasi le portrait craché de notre Valoir actuel, donc de Cortar O'Drake. C'est juste que... il a quand même quelques différences. Déjà, ils n'ont pas la même couleur de yeux. Et Valoir Junior ressemble beaucoup à son grand-père du fait qu'il séduit toutes les nanas, tout ça, etc. Mais lui ne se laisse pas happer par les ténèbres. C'est voilà, même s'il laisse la colère et tout ça, etc., des fois le prendre, il ne va jamais jusqu'à tuer quelqu'un de sang-froid, vous voyez. Valoir Junior est tout simplement une version meilleure de Valoir Senior. J'espère que vous savez ce que vous faites. J'adore cet enthousiasme. J'ai toujours adoré nos petites excursions, Lana. Je reviens dans un instant. Tous les deux, vous... Je vais faire comme si ce n'était pas votre préoccupation principale du moment. Non. Ah ouais! Et souvenez-vous que Lana avait des difficultés, elle. Donc ça vous donne la puissance de la gamine. Il faut qu'on y aille. Quoi? Ça fait plaisir de vous revoir. J'ai un million de questions à vous poser. Je sais. Les réponses devront attendre. Comme d'habitude. On peut traverser cette passerelle. Ok. Dès qu'on aura trouvé le moyen de passer ce truc d'abord, hein, je pense. Et aussi autre chose, vous le remarquez sûrement, depuis le premier épisode et le deuxième épisode, toutes les vidéos feront entre 30 à 45 minutes au moins. Parce que le temps que je parle et le temps que je fasse ce que nous sommes censés faire, bah, ça prend du temps. Bon, j'élimine ce truc et on passe à la suite, ok? Eh.
Je fais de ces activités, moi, dans la galaxie. Je vous rappelle que je viens de sortir. Ouais, mais je te rappelle que je viens à peine de sortir de la carbonite, alors s'il vous plaît, laisse-moi respirer. Ce n'est pas l'itinéraire que j'aurais choisi. Ah ouais, t'aurais pris quel chemin, toi? C'est quoi cette grosse boule? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, la gamine? Oh, du calme. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? C'est Véline. Elle est prête à vous ensevelir sous les ruines de la ville, s'il le faut. Lana? Le scanner débloque! Vous venez d'attaquer tête baissée une usine de Skytrooper? Véline nous a presque rattrapés. C'est la seule solution. C'est reparti comme sur Altair 3. Ce ne sont pas quelques droïdes qui vont nous arrêter. Allez! On y va! Cote, où en êtes-vous? Toujours bon en chasse. Mais je réserve encore quelques tours à mes poursuivants. Cote? Répondez, Cote! Bon! Celui-là, il le connaissait déjà. Je vous laisse, je reste à l'écoute. Si tu le dis. Qu'est-il arrivé au réacteur? Ce n'était pas vous, n'est-ce pas? C'est un coup de Véline. Véline? Vous deviez avoir raison à propos de votre étranger. À propos de quoi? Du fait qu'il a une malchance incroyable? Non, parce que c'est vraiment vrai pour le coup. Bonjour. Ne faites pas attention à moi. Zut. Bon, pour la discrétion, on repassera, hein. Instabilité du réacteur détectée. Évacuation d'urgence en cours. Ah, c'est pas vrai. Du réacteur imminente. Évacuez la tour. Veuillez atteindre la distance de sécurité. On aimerait bien l'atteindre, cette fameuse zone de sécurité, mais on n'est pas tellement... Disons que l'endroit ne nous aide pas à réussir à atteindre cet objectif. Elle tombe. Voilà, c'est... Instabilité du réacteur détectée. Évacuation d'urgence en cours. Mais on est en train d'évacuer. C'est... imminente. Évacuez la tour. Veuillez atteindre la distance de sécurité. C'est ce qu'on est en train de faire, madame alerte de sécurité critique. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas censé se passer comme ça, n'est-ce pas? Ça va exploser! Sonnez l'alarme d'évacuation! Faites sortir tout le monde! 10 blocs à la ronde! Défaillance critique du réacteur imminente. Bon. Nous ne pouvons plus rien faire ici. Allons-y. Vous n'allez pas faire ça! Si ce truc explose, il risque d'emporter tout un tas de monde avec lui. Vous pouvez encore l'arrêter. La moitié de la ville n'aura plus le courant, mais les milliers de personnes qui y vivent auront une chance. Vous voyez, voilà ce qu'ils sont prêts à faire pour vous arrêter. Vous devez quitter la planète. Mes ulcères ont des ulcères. J'ai pas besoin de ça sur la conscience. J'espère que vous savez ce que vous faites. Quelqu'un peut m'expliquer comment on peut avoir des ulcères aux ulcères? Merci. Mais bon, je vous l'ai expliqué. Nous allons mourir. Allez attendre, Cote. Je ne vous laisserai pas. Merci, Lana, mais tout de même. Voilà, donc, primo. Dozio, je vous ai expliqué pourquoi Valoir est du genre à être très naïf. Voilà, il a une vision du monde qui est assez spéciale. Il a toujours été rêveur, enfant, à ce niveau-là. Et même quand il y a la noirceur des noirceurs dans toute la galaxie, il continue à avoir cette vision-là. Même si des fois, il a emprunté le chemin de l'obscurité. Mais il y a toujours une lumière pour le rattraper. D'abord, ce fut Kelia Gwent. Ensuite, ce fut Risha. Et pour finir, Killa Hélène. Il faut partir. Eh ben, on partira quand je l'aurai décidé. Alors, mon plan consiste en trois étapes. Vite. Non, silence, je me concentre. J'irai plus vite si vous arrêtez de me distraire. Bon, étape 1. Voilà, ça c'est l'étape 1. Quoi? Que pouvez-vous bien avoir en tête cette fois? C'était que l'étape 1, ok? J'ai dit qu'il y a 3 étapes. Et je vais faire ce que je peux. Comme d'hab, quoi.
Bon, étape 2. Là-bas. Quand il s'agit d'inventer des plans farfelus pour réussir à s'en sortir d'une situation désespérée, faites appel à Valoir. Bon, il y a peu de chances qu'elle réussisse, mais tout de même, c'est à essayer quand on est désespéré, comme dans ce cas-là. C'est de la pure folie. C'est exactement pour ça que c'est du génie. Et après tout, t'es avec Valoir, donc la folie, c'est lui. Yes! Bon, on est toujours à l'étape 2, hein, au cas où si tu te demandes. Oh, mais dégagé. Ça ne marche pas. Mais si, c'est juste qu'on est qu'à l'étape 2. Elle est pas finie, hein, elle va finir par marcher, t'inquiète pas. Il y a tout un plan qui est prévu, t'inquiète pas. Valoir, il invente toujours des super plans. Des plans qui foirent le plus souvent, mais des fois ils marchent, hein. Et c'est beaucoup de l'improvisation, mais c'est tout de même, il marche. Il faut retenir ça. C'est ça le plus important. Sérieusement, dégagez. Bon, et maintenant, étape 3. Faillance critique du réacteur imminente. Ça suffit. Vous venez avec moi, que vous le vouliez ou non. Séquence d'arrêt du réacteur initiée. Attention, intégrité du système en péril. Tu vois, ça a marché. C'est tout ce qui compte. D'abord. Comme sur des roulettes. Maudit soit votre entêtement. Vous avez mis en péril le destin de la galaxie tout entière. Vous avez cru que vous alliez me perdre. Ne commencez pas. Allons-y. Protocole d'arrêt du système principal en place. C'est possible de demander une pause? J'en peux plus, sérieux. Vie de merde. L'obscurité devrait couvrir notre fuite. Pas aussi efficace qu'une énorme explosion, mais ça fera l'affaire. Cote, où êtes-vous? Disons que j'ai eu un petit souci technique. Ça, c'est un petit souci technique. Quels sont les dégâts? Important, mais on va s'en sortir. Laissez-moi, disons, 3 minutes. Tenez bon. J'espère que vous n'avez pas perdu d'heure. Bon, c'est moi qui vous pose la question, hein. Tâchez de ne pas perdre de temps. Ce n'était pas mon intention. Trouvons une cachette et... Nous n'avons pas le choix. Trois minutes. Ok. Putain, mais... Le comédien de doublage VF du contrebandier... Il est génial, je trouve. Perso. Dégagez de mon chemin, les droïdes! Il nous reste tant à explorer et pourtant, reste là. L'obscurité n'aura pas joué longtemps en notre faveur. Véline est d'une ténacité à toute épreuve. Est-ce que ce serait bien de vous calmer avec les musiques de John Williams? Non, parce qu'après, il y a Disney qui est pas content. Bon, tu vas me dire, je monétise pas mes vidéos, donc c'est pas vraiment un problème. Mais après, ce que j'ai peur, c'est qu'ils coupent en fait le son. Jusqu'à maintenant, ils l'ont pas fait, mais ça peut arriver. Mais qu'est-ce que tu crois d'aller, droïde? Voilà. Toute la puissance du Valoir était dans ce pied. Cote, ce sont des tirs de blaster? J'y suis presque. Encore 3 petites minutes. Oh. Cote, nous n'avons pas 3 minutes de plus. 2 et demi. Bonjour. Étranger,
Vous avez assassiné l'empereur immortel et échappé à l'emprisonnement. Nous exigeons votre capitulation immédiate. Les chevaliers de Zakel, un organe répressif sous les ordres de Véline. Ils sont sensibles à la force. Bonjour les fringues. J'exige votre capitulation immédiate pour outrage manifeste au code vestimentaire. C'est con. Nous sommes sérieux. Rendez-vous. J'ai un très mauvais, mais alors très mauvais souvenir de mon dernier passage dans la carbonite. Donc, non. Cette fois, vous serez conduit à Véline. Elle trouvera un autre moyen de vous faire payer pour vos crimes. Emparez-vous d'eux. Oh, sérieux? Non mais, le comédien de doublage français de... du contrebandier, mais c'est un génie avec les intonations qu'il fait avec le personnage. Vous trouvez pas? C'est génial. Et admettez votre défaite. Prenez vos armes et affrontez la justice. Non mais sérieux, c'est le comédien de doublage. Pas impuni. Le comédien de doublage FR de du contrebandier. Mais c'est le meilleur quoi. C'est déjà que j'aime la classe des contrebandiers par rapport à Han Solo, tout ça, etc. Le fait que c'est la classe qui a le plus d'humour. Mais le comédien de doublage FR, c'est un vrai génie. Et celui de la VO, il est sympa, mais décidément, je préfère celui de la VF. Non mais vous avez écouté son petit, donc non, voyez, avec tellement de délire. Allez, on en finit. Fuis, nous combattrons un autre jour. Vous autres chevaliers, n'apprenez jamais à canaliser votre colère. Il est sans armes, et tu n'es plus chez les Sith, ma grande, alors on va se calmer? Libérez-le. Pour qu'il puisse nous poursuivre? Mais il est sans armes, tu veux qu'il fasse quoi? J'ai connu plus solide comme stratégie. Il a pas d'armes! Il était désarmé, fin de l'histoire. Votre moralité vous aveugle. Vous allez nous faire tuer, vous en êtes conscient? Mais c'est Valoir! Il est naïf, de nature! Bon, après, il est pas totalement non plus con. Enfin, si, il l'est assez souvent, mais... Enfin, bref. Véline, je ne vous connais pas. Vous, en revanche, je vous ai vu. Je vais la retenir aussi longtemps que possible. Fuyez à la première occasion. Tu vas y rester pour le coup, ma grande. Je lèverai mon verre en votre honneur. Très touché. Non, j'en aurais pas besoin. Ah ah, la chance de Valoir! Attention, chaud devant, ne restez pas là! Ou la force, c'est vous qui choisissez. Ou le destin, c'est un des trois de toute façon. Allez! Bon, on se tire. Au secours! Au secours! Quelqu'un à l'aide? Qui c'est? Déclaration. Les tas de viande ne savent pas voler. HK! Accrochez-vous! Je vais mettre la gomme! Tu t'es refait un coup de peinture, mon vieux? Attends, est-ce que tu es mon HK? Est-ce que tu es HK51? Est-ce que c'est ton immatriculation? On a un petit souci de moteur. Ok, un gros souci. C'est moi qui devrais piloter. Désolé, mais je suis un capitaine, donc je connais mieux le métier. Vous devez connaître ma réputation de pilote. Passez-moi les commandes. Je gère. Canon verrouillé. Sortez-nous de là. J'y travaille. Non, sérieux, laissez Valoir s'en occuper. Allez. Il s'y connaît mieux en pilotage d'urgence, en situation de détresse. Merci, T7. On te doit une fière chandelle. Ça, c'est clair. Plainte. Personne ne m'a remercié, moi. Ouais, mais... Merci. Merci pour le coup de pouce. Humilité. Ce n'était pas grand-chose. D'accord. Salut. Salutations. Je suis HK-55. Je suis paré au combat et à votre service.
bon à savoir. Bon, et maintenant, c'est quoi le plan ? Je vous avais dit qu'on réussirait. Vous avez oublié d'évoquer la perte de mon vaisseau ? Où sont mes potes ? J'ai remarqué que vous n'avez emmené aucun de mes partenaires. Ils me préparent une fête pour ma sortie de prison, pas vrai ? Pas vrai ? Le trajet va être court. Vous devriez mettre notre ami au parfum de ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Ashkar, rends-toi utile. Vérifie les stabilisateurs. 5 ans ? Juge suprême Véline, par pitié, je n'ai aucun moyen de... Vous attendez vos ordres ? L'étranger ? Non. Il a disparu. Disparu ? Peu importe les méthodes, je veux qu'on le retrouve.